C'est intéressant comme, comme méthode de pensée. Myode. Qui? Okay. Tu les parles à toi. On ne peut pas tout faire tout seul. On a besoin de plus d'hommes ou d'un meilleur équipement. La forteresse stellaire. Vous n'avez pas l'air ravi, Terron. Que se passe-t-il? Ils organisaient un mouvement de résistance. Les locaux, les impériaux. Ils avaient des ressources, un plan, une base d'opération. Myot était chargé de leur fournir des armes. Disparu. Jusqu'au dernier. La forteresse stellaire de Botawi a pulvérisé tous les rebelles, tout le travail effectué, puis elle est partie. Comme si ça n'avait plus d'importance. Il a dû y avoir des victimes collatérales lors de cette frappe. Elles auront besoin d'aide. Beiwan Aigo essaye de faire un point sur la situation en passant par des fréquences alternatives. Mais c'est à peine si on a assez de provisions pour tenir le coup. Les forteresses stellaires sont des stations de combat, mortelles et imposantes. Arcane s'en sert pour dominer la galaxie. Il y a tellement de monde qu'on ne peut pas contacter à cause de ces machins. Il y en a des dizaines, peut-être des centaines. On a tout fait pour essayer d'en savoir plus sur leur fonctionnement, leurs points faibles. En vain. Et maintenant, ça. Pour l'instant, elles sont en mode défensif, mais c'est juste pour gagner du temps. J'ai un pressentiment, commandant. Arcane a des projets pour ces stations. Le genre de projet dont on ne réchappera pas. Dites-moi où trouver une forteresse stellaire. J'y vais. Vous y allez. Pourquoi faire? Mourir? On n'a pas la moindre idée de ce qui nous attend là-bas. C'est un risque énorme. Ok, il faut qu'on fasse quelque chose. J'y vais moi aussi. Tirez à pile ou face s'il le faut, mais donnez-nous un angle d'attaque. Ça va bien se passer. On va trouver un moyen. Je croise les doigts, commandant. Je croise les doigts. Parlez, lieutenant Mark Lou. Qui est... Bataille pour les étoiles. Bon, bah, après le recrutement, on se fait ça, mais... Parce que ça donne. Lieutenant Marclo, bien sûr, j'ai longuement entendu parler de vous. Je sais quelle valeur vous défendez, vous autres sites. Si je n'avais pas vu de mes propres yeux tout ce que vous avez fait pour le camp, ce que je veux dire, c'est que moi et toute la bleusaille de la République sur cette planète, on vous soutient à 100% contre Zakel. On peut y aller? On y va. Bonne chance. Si vous parvenez à vous introduire dans un de ces trucs, faites-le sauter. Pas de soucis. Bon bah une zone litigieuse, hein, voilà. Bon bah vous l'aurez vu, mais voilà, c'est une petite indication pour moi. Je coupe recrutement et mission solo. C'est parti. Bien, on est parti pour une zone litigieuse. La forteresse stellaire. Essayer de s'infiltrer là-dedans, ce qui n'est pas gagné. Selon Terron, c'est courir à sa mort. Bon, on va voir s'il a raison ou pas. Moi, je pense qu'il a tort. Bon, est-ce que j'ai droit à un droïde? Vous êtes prêts? Oui. On peut y aller. Cherche la liste des forteresses stellaires connues. Félicitations à une destination. Alderande. Je calcule un itinéraire pour Alderande. Si vous me trouviez coincé, Myot, vous allez adorer la suite. Très bien, commandant, on est arrivé. Préparez-vous pour le largage. Attendez, je bouge mon écran. Voilà. Bien. Et ben allons faire ça.
on est parti. Et c'est vachement gros en fait son truc. Ça fait la moitié du... Bon, pas la moitié, un quart de la planète je pense. Minimum. Trouver un... Quoi ? Turbo-évaluateur vers les ponts supérieurs. Vous êtes dans un conduit au-dessus de l'une des tours d'observation principales. Il devrait y avoir un système d'ascenseur pour vous enfoncer dans la station. Je ne suis pas sûr de ce qui nous attend là-bas. Soyez sur vos gardes. Je resterai en contact. Pas de soucis. C'est tendu là. Ok. On est bon. Je pense qu'on va mettre le... Pas mal pour gagner de la vie assez rapidement. On dirait que vous avez trouvé un centre d'activité. Restez aux aguets. J'ai des relevés énergétiques qui crèvent le plafond sous vos pieds. Vous devriez aller voir. Moi je suis un peu occupé. Ça va être tendu. Ça va être tendu de le faire seul. Mais je vais essayer. Sérieusement, je peux pas invoquer un droïde. Non. Oh non, non, c'est pas possible. Bon, si vous vouliez vous faire une idée de la taille de l'endroit, comme ça, c'est fait. C'est clair. Qu'est-ce que c'est ça? Texte religieux de Zakel, le dieu de Siva. Gardien de Siva. Ok. Bon, j'ai l'impression d'avoir rien lu du tout, mais c'est pas grave. Je l'ai fait. Ok. Merde. Il va falloir bien gérer ses pouvoirs si je veux passer ça correctement. Hop, on recharge. Allez, vas-y. Ok, c'est bon, on est rechargé. Voir s'il n'y a pas un petit truc qui traînerait. Si on peut faire ça, ça serait bien. Putain, il est pas mort en fait. Aïe. Pas bon. Ouh là là, c'était chaud.
Oui, c'est pas passé loin. Je suis pas passé loin de la mort là. Je pense qu'il va falloir mettre les medipacks à portée de main. Parce que ça va pas être une mauvaise idée de faire ça. Où est-ce que je vais les mettre? Tiens, viens là. Voilà. C'est plutôt une bonne idée de faire ça. La musique qui va pas du tout avec l'ambiance. Putain, ils sont nombreux. On va réduire les dégâts. C'est pas mal. Pas agresser ceux qui sont derrière aussi, ça peut être bien. Je vais essayer. Ok. Ça passe. Vu votre passé avec les labos, j'imagine que vous allez bientôt croiser d'horribles et dangereuses expérimentations. C'est une vanne. Mais c'est pas drôle, hein. C'est le cas. Je te le dis tout de suite. Ok, c'est bon, on a rechargé. On y va. Ça va chauffer pour mes fesses. Non! Merde! Ah putain! Oh, faut que je recommence tout! Je vous entendais plus du tout. Vous étiez juste dans les vapes, heureusement. On dirait que vous vous êtes fait enfermer. Il va falloir faire preuve d'inventivité pour vous faire sortir. Avec ce collier qui est, vous allez devoir neutraliser le garde à l'ancienne. Le garde doit être distrait et très proche de vous. Oh! Prends ça! Donne-moi ça. Je peux retirer ce collier de merde. Merci. Avez-vous besoin de soins médicaux? Est-ce que t'as des trucs plus costauds? Oui, ça, ça. 5602. C'est pas négligeable. Portez-vous bien. Bon, je peux enfin sortir. Trop près. Trop près. Trop près. Alerte. Détenu en fuite. À toutes les unités. Passage en statut vigilance élevé. Alors moi je pensais, tu vois, passer normal. Ouvrir la porte. Prendre mes clés du garde. Faire ça.
assez tendu hein, quand même. Et hop, tu te dis, les compagnons, ils sont bien pratiques, ils sont bien utiles. Ok, je suis revenu là. Et mes ennemis n'ont pas réapparu. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle. En soi, c'est-à-dire que je peux avancer tranquillement ici. Par un connard de biologiste. La honte. La honte la plus totale. Et c'est enregistré. Voilà. Ah bonjour. Elle est là-bas. Tous les coups, tu vas voir, il y a un truc, un pignou à aller chercher, non? Non. Mais d'accord, faut que j'aille là. Oui. Tu vas mourir. Bien passé. Commandant, ouvrez l'œil. Qu'est-ce qu'il y a? Ça quelle. Attends, mais réduire les dégâts subis. Je pense à utiliser. Yes! C'est passé. C'était ardu, mais c'est passé. Voir s'il n'y avait pas un donné, un truc. Non, en fait, tu sors à rien, toi. Tout droit. Qu'on devait la jouer à infiltration. C'est pas trop ce que j'appelle une infiltration, mais. J'ai oublié de faire mal. Ah, deux, ça va être chaud là. Yeah.
un peu mieux passé que ce que je pensais. Mais j'ai quand même eu besoin... j'ai quand même eu besoin d'un petit coup de main de Medipack. Combien de temps ? 59 secondes. Ça devrait le faire. Bon, cet étage est fait. Suivant. Et je suis aussi essoufflé que si je le faisais. Je suis en mode de concentration ultime. C'est de là que doivent venir tous les Skytroopers. Tâchez de ne rien réveiller une fois en bas. Je vais essayer. Ah, pour le coup, je vais être patient parce que je n'ai pas envie de perdre ne serait-ce qu'un point de vie sur un truc long comme ça. Surtout quand j'ai personne pour me soigner derrière. Quoi. Intrusion au niveau de production Skytrooper. Unité prétorienne déployée. Sérieusement. Oh merde. N'attaque pas. Recharger, ça va, c'est honnête, c'est honorable. Je pense pas que ce soit dans tes codes d'être honorable, mais soit. Acquisition de la cible terminée. Attaque en cours. Initialisation des sous-routines de commande offensive. Unité supplémentaire requise. Non, 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 t'appelles aucune unité supplémentaire. Voilà, voilà là. Exécuter manœuvre tactique 3, 7, 9. % des cibles neutralisées. Merde. Unité dans la plage de tolérance admissible. Ah putain. Bonjour. Vous n'avez pas encore fini le temps de réparer ma prison. Ok, vous n'avez pas fini de réparer ma prison. Bon, voilà. M'occuper du groupe. Je devrais peut-être m'occuper ouais, du groupe quand il le fait apparaître. Okay. Bon, revanche. Position de la cible terminée. Attaque en cours. Les dernières unités construites offrent une augmentation d'efficacité destructive de 3,2%. Esquiver sur des choses comme ça, ça peut être pas mal déjà. Prioriser l'éradication de la menace indiquée. Voilà. Jouer intelligent, c'est déjà pas mal. Il appelle personne. Réorientation de la production pour neutraliser la menace en cours. On esquive. Prioriser l'éradication de la menace indiquée. Voilà. Yes. Offensif insuffisant. Voilà. Si j'arrêtais d'être un bourrin de temps en temps, ça se passerait mieux.
Hop, je débloque plein de choses, on est content, on est joie. Bon, il faut traverser. Oui, il faut surtout soigner. Canalise, canalise. C'est bon, on peut avancer. Pourvu qu'il ne lance pas de production à grande échelle. Excellent travail. C'est un peu laborieux, mais je m'en suis sorti. J'espère que tu apprécies la remise en question de ma tactique. Je suis un bourrin, mais je suis pas un bourrin borné. Je me sais reconnaître quand j'ai eu tort. La haine canalisée qui me permet de recharger la vie. Sinon ce serait juste impossible à faire. Oui. Par là. Myot affirme que la source d'énergie est juste en dessous, environ 2 étages. M'en occuper. Si je pouvais éviter de mourir surtout. Ce serait bien. Oula, c'est pas passé loin. Un droïde, je lui rachète des medipacks. Hein. J'ai beaucoup d'argent encore. J'ai plus que 200 000. C'est pas non plus la richesse. Je peux passer. Encore des fichus modules de Skytrooper. Arcane adore ces trucs, j'ai l'impression. Y'a que toi, ça devrait le faire. Voilà, ça c'est de la vraie infiltration. Ah, ça va être difficile de faire de la vraie infiltration. Hein. Faire ça. Soutien. Un déploiement de rien du tout. Chevalier de Zakel. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que tu dis ? Crèvera avant moi. Tiens! Oh merde, oh merde, 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 merde. Oh,
Je l'avais pas vu celui-là. J'ai pas vu qu'il était revenu derrière. Ok. Encore un petit peu. Bientôt l'objectif. J'ai pas besoin d'aller de toute façon. Ce que j'ai besoin de faire, c'est lui. Par contre, j'ai presque rien perdu. Il était toute seule, normalement ça devrait le faire. Voilà. Je charge un petit peu la haine. Pour l'instant je suis plutôt fier de moi, je me démerde. Et bon, mon objectif. Alors, ça peut faire souffrir. Ton pote, plus que nécessaire, ça. Non, non, putain, non, mais merde, faut vraiment que je me retape tout le chemin. Portez-vous bien. Oublie pas de rechercher ta vie, toi. Je pensais que ça passait, hein. Arrête de te coincer. Alors, où est-ce que je m'en rappelle? Ici. Je sais pas où je suis. Ah putain, je suis revenu là. Passer sans attirer qui que ce soit. Voilà. On l'a rejoué à infiltration. Ok, il y a un raccourci qui s'est débloqué. Là, c'est là où il y avait le chevalier de Zakel qui est venu. Joue bien, voilà, il me repère pas. Là, j'ai dépassé. Ok, si je m'occupe de lui en étant invulnérable pendant un certain temps, ça peut le faire. Ok. Maintenant, j'ai plus que le chevalier de Zakel à me faire. Thank you.
basse que moi pour l'instant. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Faut que ça passe. Faut que ça passe. Allez. Allez. Yes. C'est passé, mais c'était juste. J'ai eu chaud aux fesses. Ok. Une note de la merde. Bien, on peut avancer. J'imagine que si je meurs maintenant, j'ai plus à faire tout ça. Entrer dans le centre de données éphémère. Ok. Vous êtes maintenant dans le central énergétique. Il est temps qu'on s'occupe d'Ephéméris. Essayez donc de me connecter à ces noyaux de données. Je vais essayer. Alerte Ephéméris. Intrusion du central de données en cours. Protocole Merde. De défense du central enclenché. À toutes les unités, ripostez. Hop, putain. Oh, ça va. Quand même activer ça, hein. C'est pas fou. Unité de sécurité inefficace. Lancement liaison système. Si j'ai bien compris le schéma, Ephéméris fait converger ses données informatiques dans l'une Surcharge de ses unités. Redémarrage. Un choix intéressant. Pas rassurant, mais intéressant. Ça pourrait nous conférer un avantage tactique, en fait. En neutralisant l'unité, on déstabilise tous les protocoles pendant un moment. Oui. Ah, bien que tu me sauves aussi. Et je suis 5, connecté. 4, bon. 3, que se passe-t-il si je retire cette ligne de code? Alerte. Noyau de données Ephéméris compromis. Okay. Noyau secondaire mobilisé. Soigne-moi. Toujours pas. Donc c'est que des cyborgs. Surcharge rétro-neurale. Redémarrage. Je fais ce que je peux, bordel. Redémarrage dans... Ce serait 4, bien qu'on puisse désinguer ce 3, truc une bonne fois pour toutes. 2, 1, redémarrage terminé. Oh le salaud! Protocole de défense. Putain, quoi. Surcharge rétro-neurale. Redémarrage. Redémarrage de rien du tout. Que tu meurs maintenant. Ils sont un algorithme de cryptage rotatif. Miot, j'aurais besoin d'un coup de main. Alerte Ephéméris. Noyau secondaire défaillant. Échec système. Déploiement unité de renfort d'urgence. Si j'ai... Lancement de l'algorithme de combat. Classification, chevalier. Espèce de ça. Allez. Pour l'instant, il se bat seul, donc c'est un combat de force brute. Ça je maîtrise. Okay. Menace neutralisée. Non.
Noyau de données intact. Oh, protocole de défense 100% fonctionnel. J'étais pas loin. J'ai merdé quelque part. Ah, j'y étais presque. Non. Oh, la déception. Que je refasse tout. Protocole de défense du central enclenché. Ouais. À toutes les unités, riposter. Je peux tout refaire. Unité de sécurité inefficace. Lancement liaison système. Bien compris le schéma. Ephéméris fait converger ses données informatiques dans l'une de ses unités. Redémarrage. Un choix intéressant. Pas rassurant, mais intéressant. Ça pourrait nous conférer un avantage tactique, en fait. En neutralisant l'unité, on déstabilise tous les protocoles pendant un moment. Fais-moi la paix. Ils sont un algorithme de cryptage rotatif. Miot, j'aurais besoin d'un coup de main. Alerte. Noyau de données Ephéméris compromis. Noyau secondaire mobilisé. Ok. Le premier est fait. Le suivant. Entrée critique. Réassignation de l'hôte en cours. J'ai pas besoin de ça par contre. Ah non, mais tape lui là. Commence pas à faire ça, putain. Redémarrage dans 5, 4. Ils sont un algorithme 3, de cryptage rotatif. 2, Miot, 1. J'aurais besoin d'un coup de main. Redémarrage terminé. Ah putain, l'enfoiré. Reprise des protocoles de défense. J'aurais dû tellement passer. Ok, on est d'accord. Redémarrage. Ça aurait dû passer juste, mais ça aurait dû passer. Alors toi, casse-toi. Clairement. Ils sont un algorithme de cryptage rotatif. Miot, j'aurais besoin d'un coup de main. Bien. Alerte Ephéméris. Noyau secondaire défaillant. Échec système. Déploiement unité de renfort d'urgence. Lancement de l'algorithme de combat. Classification, chevalier. Dispositif de répulsion, paré. Non. Quoi, dispositif de répulsion, paré. Allez. Soulève-le. Yes.
Mode fantôme activé. Bon travail, commandant. À présent, on contourne le bouclier et... Bienvenue dans ma forteresse stellaire, étranger. Vous ne pouviez rêver mieux pour tombeau. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je n'ai pas accès au bouclier. C'est géré à distance. Faudra trouver autre chose. Miot, ouvrez un ascenseur. Je suis en train de mourir. Oui ! Enfin ! Oh, c'était dur ! C'était dur et... C'était compliqué ! Oh, donne-moi mes récompenses, là ! C'est passé tout juste, hein, quand même, avec Ephemeris. Nouveau rang. Ouvrir. Non, je vais te prendre parce que ça me fera de l'argent. Aussi. Donc, ça j'ai déjà, ça... Ah, ça, ça va. Là. Fusil type 2 de Revanite, ça je crois que j'ai pas. Non. Concluons cette mission en allant voir Miot, qui est là. Est-ce qu'on a les plans? S'il vous plaît, dites pas qu'on a les plans. Que je puisse aller boire un coup, faire une pause. Quelque chose là. Non, parce que bon... Pourquoi ? Pour un combat à temps, c'était intense. Vous avez vu le regard que m'a jeté cet impérial. J'ai décortiqué tout ce que vous avez récupéré dans la forteresse stellaire, commandant. On sait déjà un peu mieux à quoi on doit s'attendre. À quoi on a affaire ? Comme je le pensais, l'ampleur de la situation... En fait, peu importe ce que je pensais, c'est au-delà de ce que j'ai pu imaginer. Cette charmante personne fait partie d'un ordre de chevaliers à part. Les Exarques. Vous en avez croisé un. Si j'ai bien compris, chaque forteresse stellaire est dirigée par l'un d'entre eux. Qu'est-ce qu'on sait d'eux ? Ils ont des méthodes et des directives spécifiques. Un vrai mystère. Senya a seulement dit qu'ils étaient dévoués au trône éternel, et que pour rien au monde, elle ne voudrait en contrarier un. Une autre information cruciale que j'ai pu obtenir. La forteresse est alimentée par un énorme générateur solaire, comme sur Zakel. On pourrait s'en servir pour détruire la station. Mais d'après les signatures énergétiques, le réacteur est protégé par un bunker isolé, à la surface de la planète. Donc, on neutralise le bunker, et ensuite le réacteur. Un sacré défi. Je veux dire, ce n'est pas infaisable, mais on a besoin de troupes au sol, et on manque d'effectifs. À moins que... Miot tient un registre regroupant des rapports de SOS, d'affrontements divers. L'idée derrière tout ça, ce serait de répondre à ces appels. Voilà, pour commencer. Une poignée de monde menacée par une forteresse stellaire, chacun abritant des alliés potentiels. Bon, je vais m'y rendre. Je peux aller parler à ces populations et les convaincre que notre combat en vaut la peine. Ce n'est pas gagné d'avance. Ces populations ont déjà leurs propres problèmes. Arcane et Zakel, c'est le cadet de leurs soucis. Vous devez les convaincre que nous aider est la meilleure option possible, ce qui est vrai. Mais ils ne le savent pas encore. Si je leur viens en aide, je suis sûr qu'ils nous rendront l'appareil. Il faut espérer. Forteresse stellaire.
Après sa campagne victorieuse à travers l'espace de la République et de l'Empire Sith, Arkane déploya d'énormes stations de combat en orbite des planètes qu'il désirait le plus contrôler. Ces forteresses stellaires sont alimentées par des générateurs solaires capables de ventiler leur excès de plasma sur la planète en dessous. La menace d'une dévastation instantanée prend en otage les populations de ces mondes et sert d'avertissement à quiconque souhaiterait attaquer la forteresse. Chacun des mondes réduit en esclavage a ses propres histoires quant à la vie sous l'ombre oppressante d'une forteresse stellaire. Certains accusent les stations de disperser fléaux et maladies dans leurs environnements, d'autres évoquent le sort d'armées carbonisées depuis l'orbite pour avoir osé exprimer leur opinion sur Arkane ou Zakel. Que cela soit vrai ou pas, la galaxie ne connaîtra plus jamais la liberté jusqu'à ce que les forteresses stellaires d'Arkane soient toutes détruites. Rejoindre un combattant de la résistance utilise la fameuse pour répondre aux alertes de l'Alliance.